bouteilles de champagne à n'en plus finir. Des femmes aux silhouettes esquises avec en guise de vêtements de la peinture corporelle. Des bijoux qui brillent dans le noir tels des boules à facettes. Et pour couronner le tout, des tigres, des éléphants, des girafes qui ornent le compound. La boîte de nuit ultra populaire d'Atlanta dans les années 2000. Cette soirée surréaliste que je viens de te décrire a été organisée dans les années 2000 par P. Diddy en l'honneur de l'un des gangsters les plus populaires de cette époque, j'ai nommé Demetrius Flannery alias Big Mitch, le fondateur du célèbre gang Black Mafia Family. Bien qu'il ait été condamné en 2008 à 30 ans de prison, Big Mitch a laissé une empreinte bien marquée sur le hip-hop. 50 Cent produit d'ailleurs la série sur le gang, où il revient sur l'histoire de ce gang afro-américain, et en particulier sur Big Mitch lui-même. D'ailleurs, son fils, Lil Mitch, joue son rôle. D'ailleurs, petit disclaimer, j'ai pas encore regardé la série BMF, je vais sûrement la regarder dans le futur, cette vidéo je la fais par rapport à des vidéos que j'ai déjà vues sur internet, des connaissances que j'avais, bref, j'ai voulu tout mélanger et vous faire une vidéo un peu cool, qui change un petit peu de d'habitude. Toutes les plus grandes stars du hip-hop des années 2000 ont croisé la route de Big Mitch et ces rencontres ont été très intéressantes. Et certaines de ces interactions étaient courtoises, d'autres moins. Et dans cette vidéo, j'ai sélectionné un certain nombre de rappeurs qui ont eu une interaction avec lui et je reviens sur l'histoire autour de cette interaction. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le nouveau format que je lance ici, comme je l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est un format où je reviens sur des histoires entre des artistes, hip-hop en particulier, et leur lien avec le monde mafieux, gangster, etc. Parce que très souvent, les rappeurs ont un lien d'une manière ou d'une autre avec ce monde-là, et c'est intéressant de comprendre cet univers pour mieux comprendre la musique de certains artistes. Donc si tu aimes ce concept, je vais te demander de mettre un maximum de likes, histoire de me donner, de m'encourager, tout ça, et de faire en sorte que cette vidéo soit diffusée un maximum. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Commence dans les rues de Détroit au milieu des années 80, plus précisément en 1985, quand Demetrius Flannery alias Big Mitch et son petit frère Terry Flannery alias Southwest T décident de s'associer pour se lancer dans la vente de crack. Un business qui avait le vent en poupe, étant donné que dans ces années-là, on était en pleine épidémie de cette drogue. Tu as sûrement dû entendre parler dans mes vidéos ou ailleurs de l'épidémie de crack. Et ben c'était exactement à cette époque. Les ghettos afro-américains en particulier ont été touchés fortement par ça. Ils se font d'abord connaître sous le nom de 50 Boys, en référence au sachet de 50$ de crack qu'ils vendaient aux junkies, mais très vite, leurs affaires se développent et passent de la vente en détail dans leur quartier à un réseau de distribution bien ficelé dans tout Détroit et ses alentours. Après avoir bâti une entreprise criminelle au sein de la Motor City, Big Mitch décide de quitter la ville, alors d'après certaines rumeurs, il quitte la ville parce qu'il était en embrouille avec un autre caïd de la ville et il va donc s'installer à Atlanta. C'est dans la capitale de la Géorgie que Big Mitch bâtit son organisation BMF pour Black Mafia Family. Et pour certains, l'acronyme BMF voudrait aussi dire Big Mitch Flannery. Intelligent le gars. Et donc à Atlanta, il y développe sérieusement ses activités criminelles, notamment grâce à des contacts qu'on va lui donner qui vont lui permettre d'être mis en contact avec un cartel mexicain. Et ce cartel mexicain-là va lui permettre de générer encore plus d'argent. Après cette connexion, le réseau de Big Mitch s'étend sur tout le pays. Que ce soit en Californie, au nord, au sud ou à l'est, Big Mitch a des lieutenants qui sont là justement pour gérer tout le business. Au début des années 2000, Big Mitch cumule une fortune estimée à plus de 250 millions de dollars et plus de 500 membres actifs, tout ça en l'espace de 10 ans. En créant une structure aussi lucrative et bien organisée, Big Mitch est très vite devenu une personnalité idolâtrée en fait par son gang, voire même considéré presque comme un semi-dieu. C'était assez particulier l'amour que les gens avaient pour lui. Et c'était vraiment un leader authentique. Body is from somewhere else different. You don't get nothing like this nowhere. We got people from everywhere in our mind. Everybody move as one. Everybody is prospering in some kind of way, in their own way. Every man plays his own role. And it's and everything starts with the leader. I'm a good leader, so I got good people that follow.
Everybody shining like new money. There ain't no other crew like this in the world, and never will be another. Maintenant que je t'ai expliqué qui était Big Mitch et comment il a réussi à bâtir son entreprise criminelle, on passe aux rappeurs avec lesquels il a eu une interaction dans les années 2000. Le premier, Suge Knight. Alors habituellement, lorsque je parle de Suge Knight et des interactions avec les autres rappeurs, c'est jamais à l'avantage de l'autre rappeur. Suge Knight veut toujours imposer une forme de domination sur les gens. Mais dans ce cas précis, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Alors on est à Miami, aux environs de 2005. Big Mitch et BMF sont de passage en ville à l'occasion des Source Awards. Pour l'occasion, Big Mitch a loué le très luxueux manoir de l'acteur Jackie Gleason pour lui et ses soldats. Alors ce qu'il faut savoir sur Big Mitch, c'est que c'était vraiment une personne qui n'aimait pas passer inaperçue. D'ailleurs, ce qu'il a fait à Atlanta dans les environs de 2003, il a acheté des panneaux qui sont à l'entrée de la ville d'Atlanta et il y a mis des grands posters BMF. Les gens savaient pas exactement qu'est-ce que c'était BMF à cette époque-là, à part les gens qui étaient dans la rue. Mais je veux dire, les gens normaux ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Mais t'avais ce grand panneau devant la ville avec le logo BMF, la tête de Big Mitch. Donc, déjà, c'est pour te montrer à quel point il ne se cachait pas. Il aimait être vu, il aimait être aimé. Et d'ailleurs, son but, c'était de devenir mainstream. On va y revenir. Et donc, le premier soir où ils arrivent à Miami, ils vont dans un club, peu importe le club, ils y mettent le feu. Parce que ça aussi, c'était la réputation de Big Mitch et de BMF. Lorsqu'ils allaient dans un club, ils vont acheter toutes les bouteilles, ok? En général, c'était des bouteilles de cristal. Ils vont limite dire au DJ de jouer les sons qu'ils aiment et ils vont y mettre le feu, l'ambiance. So you went there, BMF was in there, like, yo, that club was crazy, it was going there. And you go there, you know, a week from then, or we're not in the building, you're like, this, what happened? This shit fell off. No, this is the real club. What you saw was the greatest show on earth. Autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que Big Mitch en fait ne comptait absolument pas ses dépenses. En même temps, ça va avec le personnage que je t'ai décrit un peu plus tôt. Il pouvait se déplacer à 100, il va payer pour les 100 personnes, ok? D'ailleurs, Big Mitch était offensé si tu payais quelque chose et qu'il était là. En général, s'il te prend en charge, c'est qu'il te prend en charge. Ne paye absolument rien. Et donc, étant donné qu'ils étaient aux Source Awards dans la période de 2005, forcément, des gens sont venus les voir, des artistes en particulier. Des artistes, des producteurs, bref, du monde de l'industrie du hip-hop. Parmi elles, il y a donc Suge Knight. Dans cette période-là, le boss de Defro faisait beaucoup d'allers-retours en prison, ce qui l'avait affaibli d'ailleurs. Il venait de purger une peine de 5 ans de prison, il avait violé à plusieurs reprises sa liberté conditionnelle. Bref, c'était déjà plus le Suge Knight que les rappeurs avaient connu dans les années 90. Mais ça restait quand même encore Suge Knight. Et donc lorsqu'il va à la rencontre de Big Mitch, il regarde autour de lui la maison, comment les soldats entre guillemets de Big Mitch sont traités et comment ils respectent Big Mitch, il se dit, tiens, vous les gars ici, vous faites les choses bien, tout le monde a l'air de manger, etc., etc. Et il se rappelle du passé en disant, j'aurais dû mieux faire les choses, je tabassais les gens pour rien. Dans les clubs, quand je voyais quelqu'un prendre quelques bouteilles, ça m'énervait. Quand ça se passait à LA, hein, j'entends, il se disait pour qui il se prend. Bref, et ça finissait toujours mal. Et justement, ce qu'il se disait, c'est qu'il voulait changer de comportement. Bon, on le voit avec le temps que ça n'a pas été le cas et que finalement, il est en prison, mais à cette époque-là, il se disait qu'il allait changer de comportement. En voyant, justement, Big Mitch faire les choses correctement. Correctement, hein, on s'entend. Dans le monde criminel et respecter les gens, quoi. Et donc, Suge Knight passe la soirée à parler avec Big Mitch. Et en fait, Suge Knight oublie qu'il doit prendre son avion. Il dit, oh mince, faut que j'aille prendre mon avion. Bam, il prend ses affaires, il se barre. Quelques heures plus tard, Big Mitch reçoit un coup de fil. Et c'est Suge Knight en panique. Il venait de rater son avion et s'il n'était pas revenu à temps à LA, il aura encore violé sa liberté conditionnelle et donc il sera obligé de retourner en prison. Et donc il panique. Bref, pète un câble au téléphone. Ah, oh, il faut que tu m'aides, je suis en galère. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est la merde. Bref. Et Big Mitch, en grand prince, lui dit, t'inquiète, je vais gérer ce problème. Et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle un contact qui a un avion privé, il fait le plein. Donc pour faire le plein, on est à peu près à 25 000 $, si ce n'est plus. Là, on est sur le minimum. Et donc, il invite Suge Knight à prendre cet avion privé pour rentrer à LA. Donc c'est pour te dire que la seule interaction que l'on connaît, en tout cas sur Internet comme ça, de Big Mitch et de Suge Knight, c'est une interaction où Big Mitch a aidé Suge Knight et où Suge Knight a été très respectueux envers Big Mitch. Deuxième rappeur, Young Jeezy. Alors, vous avez vu ma vidéo où je parle du conflit entre Gucci Mane et Young Jeezy. Bon, vous avez pu constater que je suis un fan de Young Jeezy. Alors, comme pour beaucoup de mecs qui ont écouté de la trap dans les années 2000, hein, en général, on, je
je connais pas beaucoup de gens qui écoutaient du rap dans les années 2000 qui étaient ultra fans de Gucci Mane, même si encore une fois Gucci Mane c'est une légende. Mais bref, là on est déjà en train de s'éloigner du sujet. Ce que je veux dire, c'est que sans Big Mitch, il n'y aurait pas de Young Jeezy. Je m'explique. On est toujours au début des années 2000. Big Mitch pensait sérieusement à sortir de la rue pour entrer dans la légalité. Tu sais comment ça se passe. Tu as un caïd dans la drogue qui fait énormément d'argent et pour devenir legit, pour être respecté dans la société civile, il cherche à faire une transition. Et c'est exactement à l'étape dans laquelle Big Mitch était. Il voulait faire cette transition dans la légalité et pour ça, il voulait se lancer dans le monde de la musique. Et donc Big Mitch se présentait comme producteur, impresario, music promoter, bref, tous ces titres que P. Diddy pouvait avoir. Il voulait devenir un P. Diddy du Sud. Et donc Young Jeezy figure parmi les premiers artistes qu'il finance et l'aide à se faire connaître à Atlanta même. Pour ça, à l'époque, t'allais dans tous les strip clubs, tu payais les DJ, tu faisais danser les filles sur les sons et tu faisais bien sûr performer l'artiste dans ces clubs-là. C'était le meilleur moyen pour faire connaître l'artiste, pour qu'il soit accepté du public et des danseuses, et c'est à partir de là que l'artiste pouvait grandir. Même si aujourd'hui, avec Internet, les artistes peuvent breaker différemment, tu as encore des artistes à Atlanta qui passent par les strip clubs pour faire connaître leur musique. Parce que lorsque la rue te supporte, eh ben, tu peux aller très loin. Bon, et c'est exactement ce que Big Mitch a fait pour Young Jeezy. Il a mis les moyens financiers et l'a backé un maximum parce que c'était un fan de musique aussi. En plus de proposer sa force de frappe à Young Jeezy dans le monde de la musique, ils étaient amis. Et Young Jeezy raconte une anecdote complètement folle sur Big Mitch. Il raconte qu'une fois, Big Mitch l'appelle comme ça, de nulle part. Il lui dit, ok, qu'est-ce que tu fais demain? Bref, Young Jeezy lui répond ce qu'il lui répond. Il lui dit, fuck this, demain on va à Cancun. Appelle tous les gens qui veulent venir à Cancun, on y va demain. Le gars a pas pris un avion privé, hein. Il a pris un putain de Boeing, ok, un Boeing entier de 300 personnes et t'avais tout Atlanta, en tout cas toute la crème d'Atlanta, qui sont rentrés dans ce Boeing et qui sont allés à Cancun. Donc tu te rends compte un peu, 300 personnes. T'avais toutes les strippeuses d'Atlanta, d'après ce qui se dit. T'avais des rappeurs, Juvenile, Lil Jon, Bone Crusher. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, Juvenile, c'était quand même l'artiste numéro 1 de Cash Money. Lil Jon, c'est le crunk. Bref, tu connais. Bone Crusher, il était ultra connu dans cette période-là. Bref, t'avais des gens comme ça qui étaient du voyage. Non, sérieusement, le bordel devait ressembler à Soul Plane. Et d'après ce que Young Jeezy explique, Big Mitch ne voulait pas rester assis. Il était toujours là avec des bouteilles de cristal parce que bien sûr, il n'y avait que ça à boire. Non. Tu vas pas boire de l'eau avec Big Mitch quand tu vas en plus à Cancun. Non, tu vas boire du cristal pendant tout le voyage. Et donc, il servit du cristal à tout le monde et à un moment donné, il voulait même piloter l'avion. Fucking, he didn't want to sit down and he wanted to fly the plane. The pilot was like, we're going to turn around and go back to America if you guys don't sit down. And his whole thing is, I paid for this motherfucker, I want to fly. Ils avaient privatisé tout un hôtel et tous les soirs, ils allaient dans le même club. Tous les soirs. Les gens se sont dit, mais ce club, il est incroyable. Non, il n'est pas incroyable. C'est juste que BMF était en ville. Et donc, revenons à Young Jeezy, sa carrière et Big Mitch en guise de promoteur. Big Mitch voit très tôt le talent de Young Jeezy, ok? Big Mitch était un buté de son, donc il a vu le talent de Jeezy et il le pousse un maximum. Parce que c'est comme si en fait c'était lui qui rappait, tu vois. Il y avait cette culture de la dope, enfin toutes ces choses-là. Mais à partir de 2005 à peu près, Big Mitch commençait à être dans le collimateur du FBI. Il sentait l'accusation arriver et il s'est dit, je pense que cette carrière dans la musique risque d'être compromise. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas empêcher un artiste que j'ai aidé à développer la carrière de se développer tout simplement. Donc s'il a besoin de quitter mon roster pour aller ailleurs et pour avancer, pour développer sa carrière, je ne vais pas le retenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Young Jeezy. Lorsque Young Jeezy a commencé à être vraiment populaire dans le sud et même un peu partout aux États-Unis, Jay-Z, qui venait d'être président de Def Jam, avait vu le talent de Young Jeezy et voulait le signer. Et Big Mitch, voyant ça, s'est dit « Ouais, il faut que Young Jeezy aille signer chez Jay-Z si on veut que sa carrière puisse avancer. » Et lui, de son côté, s'est dit « Bon bah, j'ai cette accusation qui arrive, il faut que je gère ça. » Et c'est ce qui nous amène donc à Jay-Z. L'anecdote est plutôt courte et on ne sait pas totalement ce qui s'est passé. Mais je vais quand même vous raconter ce que l'on sait, ce qui est public et ce qui a été confirmé par des sources sûres. On est en 2005 et Young Jeezy est sur le tournage de son second single de son premier album sous Def Jam, Soul Survivor. Moment crucial pour le rappeur du Sud. En fait, dans cette période-là, Young Jeezy était le rappeur le plus attendu du game. C'était vraiment le rookie de l'année, la première ou l'une des premières, je dirais, grosse signature de Jeezy en
tant que PDG de Def Jam, il avait une attention incroyable. Et surtout, ce que les gens savent pas, c'est que dans cette période-là, les New Yorkais n'aiment pas trop la musique du Sud. Ils sont toujours en mode les gens du Sud-là font pas du vrai rap, etc., etc. T'avais encore cette mentalité de puriste. Et pourtant, Young Jeezy va avoir une grande popularité à New York. Je me rappelle de l'époque où on disait tu peux voir des mecs à New York porter des t-shirts avec Young Jeezy dessus. C'était un truc qui se faisait pas, tu vois. Sauf que Jeezy, c'était celui qui avait brisé cette barrière. Et donc, Jeezy était la priorité numéro 1 du label. Et ce deuxième single était le single qui était supposé et qui va le faire décoller. Sur le morceau, tu as en featuring Akon, qui est au pic de sa carrière. Donc, le single pouvait pas capoter. Et d'ailleurs, dans le clip, tu as un nombre de caméos impressionnant. Je crois que c'est d'ailleurs le premier clip de rap avec autant de caméos que j'ai vu, personnellement. L'histoire du clip, c'est Pain in Full, l'un des meilleurs films street qui soit sorti. J'ai d'ailleurs parlé de ce film avec Parole Véritable, un podcast auquel j'ai participé. Donc, allez le voir si ça vous intéresse. Vous tapez sur la barre de recherche Pain in Full, Iconic, et vous allez voir la vidéo. J'en ai parlé, j'adore ce film. D'ailleurs, gros big up à eux, c'est méga. Et donc, dans ce clip, tu as la crème de l'époque du hip-hop. Déjà, Cameron qui apparaît donc dans le clip, qui joue le rôle de Rico, comme dans le vrai film. Tu as Benny Siegel, Fabulous, DJ Clue, Lil Wayne était aussi sur le lieu du clip, même s'il apparaît pas dans le clip, dans mes souvenirs. Tu as aussi Blue Da Vinci, et bien sûr, tu as Big Mitch qui était également sur les lieux. Et donc, étant donné que c'est une priorité, Jay-Z est aussi venu, ok? Il fallait qu'il assiste au tournage du clip et faire en sorte que les choses se passent correctement. Et ce que Benny Boom raconte, c'est que il y avait tellement de voitures de luxe sur ce tournage de clip, des Lamborghini, des Ferrari, des Maybach. C'était un film, parce qu'en plus, toutes ces voitures-là, c'était pas des voitures louées. Young Jeezy était déjà riche grâce à la dope. T'avais bien sûr BMF qui était là, Jay-Z qui se pointe, bref, c'était incroyable. Et donc, ce qu'il raconte, c'est que Big Mitch s'était pointé avec deux Maybach. Il se déplaçait toujours avec deux Maybach et il a bloqué la route à Jay-Z. Alors, je ne saurais pas exactement vous le décrire, mais il a bloqué la route à Jay-Z qui, lui, était venu en Maybach aussi et il s'est retrouvé bloqué par Big Mitch. Et donc, pour pouvoir partir des lieux ou pour pouvoir, bref, se déplacer sur le lieu du tournage, il n'avait pas d'autre choix que de venir parler à Big Mitch. Et en fait, ce que les gens disent, c'est que Big Mitch avait fait exprès de faire ça pour obliger à Jay-Z de venir lui parler et lui dire « Hey, j'existe et si tu veux partir, tu vas devoir venir me parler et montrer du respect. » Parce que la manière dont toi, tu gagnes de l'argent, c'est en racontant ce que moi, je fais réellement dans la rue pour devenir riche. Donc, toi et moi, on est pareil, on fait autant d'argent, voire peut-être plus du côté de Big Mitch à cette époque-là, j'en sais rien. Bref, ils étaient au même niveau, on va dire. Donc, Big Mitch voulait absolument instaurer une relation de respect avec Jay-Z. Et donc, cette dynamique a été très intéressante à observer. Et quand je fais des recherches dans le monde mafieux, c'est un truc qui se fait souvent, ça. Par exemple, Big Mitch va aller dans un club et il va acheter toutes les cristales du club. Donc, si tu veux boire du cristal dans cette soirée, tu es obligé d'aller le voir pour lui demander. Et donc, tu dois lui montrer une forme de respect, tu vois. Bref, voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, comment cette interaction s'est passée suite à ça? On ne sait pas. Après, il y a eu plein de rumeurs qui ont été faites, mais j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là si ça n'a pas été confirmé. Mais sachez juste que Jay-Z et Big Mitch se sont rencontrés et que Big Mitch a voulu tout de suite instaurer une relation de respect entre eux. On est dans les alentours de 2003 et 2003, c'est l'année du Deep Set, ok? C'est l'année où ils explosent. Si je me trompe pas, Diplomatic Immunity vient de sortir ou va sortir. Cameron et Come Home With Me a fait un carton. Le morceau Oh Boy, c'est le morceau le plus vendu chez Rocafella, donc c'est un énorme succès. Et le monde appartient au Deep Set. Et moi, c'est à cette période-là, d'ailleurs, que je suis ultra fan du groupe. Je veux m'habiller comme eux, je veux vivre comme eux. D'ailleurs, à cette époque-là, si tu écoutes du rap, t'es Deep Set, ok? C'est les ancêtres de A$AP Mob, c'est les ancêtres de la hype, c'est eux qui ont vraiment créé ce truc de rap et de lifestyle autour. Il y avait Wu-Tang avant, mais c'était moins sexy, tu vois. Genre, Deep Set, c'est vraiment... Et les mecs, ils connaissent, ils savent. Bref, ils savent. Le jour où je vous ferai un LSD sur Deep Set, ce sera le LSD où je serai le plus enthousiaste, on va dire ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Bref. Et donc, au vu de leur succès, ils sont donc invités à Miami pour performer avec Fat Joe. Et c'est à l'occasion du Memorial Day Weekend. Et d'après ce qu'ils expliquent, en particulier Jim Jones, c'est l'un des membres du Deep Set, pour ceux qui n'ont pas compris, ils expliquent que le Memorial Day Weekend, c'est un week-end où tous les hustlers du pays, ok, tous les hustlers des États-Unis se rassemblent à un même
endroit. Tous les mecs qui font du beef ou get money, comme il dit, avec beaucoup de conviction. D'ailleurs, je vous mets l'extrait. Tenez. Hustlers from every yeah. part of the country that was really getting money, coming down to 40, 50,000 and blowing Chris Christie 500-600 dollars at the pool party. Et donc le Deep State s'est retrouvé dans une soirée avec des gars de BMF. Mais à cette époque-là, ils savent pas du tout qui est BMF. Internet n'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Tout était plus local. Donc BMF, ils connaissaient pas. Et t'as des mecs de BMF qui étaient juste au-dessus, dans un balcon, qui ont fait exploser du champagne et c'est tombé sur plein de gens. Et notamment sur Cameron et Jim Jones, les deux membres donc du Deep Set. Jim Jones, dans le groupe, c'est le plus nerveux. Il supporte pas le fait d'avoir reçu du champagne, donc il s'embrouille avec les mecs au-dessus. Donc Jim Jones va les voir, boum boum boum, bref, ça chahute, voire plus, on va dire, et les choses se terminent. Et le lendemain, ils doivent performer, la raison pour laquelle ils sont venus. Et pendant qu'ils sont en train de performer, en fait, c'était une performance de Cameron et de Fat Joe, tu as, dans le public, de plus en plus de mecs qui arrivent avec le même t-shirt, BMF, en train de faire des signes de gang, tu vois. Et ils commencent à trouver ça de plus en plus bizarre, tu vois. Si, mais attends, d'où ces mecs débarquent? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et ils remarquent avec Fadjo, ils disent, c'est quoi tous ces gangsters ici, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est tout ça. Oh, c'est pour nous, je comprends pas, tu vois. La performance se termine, et lorsque Jim Jones, Cameron, Jewels sont sur la route pour quitter le lieu du concert, ils observent derrière eux 10, 15, 20, 30, 40, bref, une centaine de mecs avec le même t-shirt BMF en train de crier Yo BMF, armé jusqu'aux dents. Et ils étaient à la recherche de Jim Jones par rapport à ce qui s'était passé la veille. En fait, ils s'approchent, ils ignorent Cameron, Jewels et les autres membres du Deep Set et ils vont voir Jim Jones. Et Jim Jones, il tape une pointe. Bref, il raconte qu'il a réussi plus ou moins à calmer les choses finalement. Et ça, j'y crois pas trop. Ils ont laissé cette partie-là assez floue, donc on sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais disons que les choses se sont plutôt mal passées pour lui, mais on sait pas exactement quoi. Quelques mois plus tard, Jim Jones, juste Jim Jones, est booké pour aller performer à Atlanta. Il avait déjà oublié cette histoire, il était plus là. Et donc il va à Atlanta avec une sécurité armée. Il s'est dit, je vais à Atlanta, je fais une apparition en club, j'ai ma sécurité, bref, rien ne peut se passer. Il est en train de passer un beau moment, il s'ambiance, tout ça. Et d'un coup, il entend DJ dire, BMF in the building. Et là, il fait, il s'arrête, il se dit, wow, BMF. Parce que maintenant, il connaissait BMF, étant donné qu'il a eu une altercation avec eux. Les gens autour de lui lui ont expliqué qui ils étaient. Et il avait complètement zappé que c'était des mecs d'Atlanta. Et donc là, il se dit, putain, les choses risquent de très mal se passer pour moi. Quelques minutes plus tard, t'as des mecs de BMF qui viennent le voir et qui lui disent, Big Mitch, je veux te parler. Sans ta sécurité. Et là, il se dit, putain de merde. La sécurité se mange un coup de pression. Jim Jones, il va seul. Il arrive, il va voir Big Mitch. Et Big Mitch lui dit, wow, t'es quand même venu seul juste avec ta sécurité. Franchement, c'est ouf. Je respecte ça. Les choses se sont bien terminées pour lui. Il avait une grosse liasse de billets, apparemment, entre les mains, le Big Mitch. Et il lui a dit, ah, you my nigga. Bref. Et Big Mitch a désamorcé les choses. Et finalement, ça s'est bien passé pour lui. Donc, il a eu beaucoup de chance. Mais je pense que c'est le côté couillu de Jim Jones qui a joué en sa faveur. Et donc, la dernière anecdote. Didi. Parmi tous les liens que j'ai cités, celui avec Didi est probablement le plus sombre. Alors ce que je vais te dire ici, c'est beaucoup d'hypothèses, pas de sources sûres. C'est beaucoup de gens qui racontent, mais les concernés n'ont jamais rien confirmé. Donc j'essaye de faire attention. Là, on est beaucoup sur l'entertainment et ça peut vous lancer sur des recherches pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Donc d'après certaines rumeurs, Big Mitch aurait financé Bad Boy Records à ses débuts. Plus exactement en 1992. Par exemple, la promo inspirée de McDonald's avec Biggie et Craig Mack auraient été financés directement par le gang. Et comme je l'ai dit, aucune source sérieuse n'a confirmé ces faits. Tout ce que l'on sait actuellement, c'est que Bad Boy Records a été lancé en 93 avec Arista en partenariat et qu'ils ont sûrement eu une avance et que avec l'argent que Didi avait généré chez Uptown Records, il aurait pu lancer Bad Boy. Après, peut-être qu'il y a eu de l'argent d'ailleurs, mais si c'est le cas, on n'est pas au courant, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain et ce qui a été confirmé de plusieurs sources, Didi était ami avec Big Mitch. Et Puff aurait même organisé cette fameuse soirée avec les animaux dans le club. C'était les 36 ans de Big Mitch. Mais en 2003, entre Didi et Big Mitch, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Anthony Wolf Jones, le chef de la sécurité de Didi, mais aussi son ami d'enfance. Il y a aussi une histoire d'ailleurs qui raconte comme quoi il aurait tué un gars de Shug Knight en 95 à peu près, pendant la guerre East Coast-West Coast. Donc c'était quelqu'un qui était about that life, comme ils disent. Mais c'était aussi un ami très
proche de Diddy. Donc Anthony Wolf Jones s'est fait tuer par Big Meech à la sortie d'un club à Atlanta suite à une embrouille qui a éclaté dans le club pour une histoire de meuf. Et Big Meech n'est pas allé en prison parce que c'était de la self-défense, ok? Donc il a été libéré, il n'est pas allé en prison à cause de cette affaire. Peut-être que je réserverai une vidéo sur cette affaire, on verra. Mais en tout cas, voilà. J'espère que t'as apprécié cette vidéo, j'espère que ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Starz. S'ils veulent sponsoriser, je suis chaud, hein, on pourra faire d'autres vidéos sur Big Meech. Donc si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un like, partage-la un maximum. Et aussi, je veux savoir quelle autre vidéo sur des rappeurs ou des gangsters tu aimerais que je fasse. Dis-moi tout, j'ai hâte de te lire. Ça peut être des rappeurs actuels, ça peut être des rappeurs à l'ancienne, peu importe, je veux savoir, ok? Aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Suis-nous sur Instagram, mon compte perso iamchris.k, ça apparaît sur l'écran. Le compte de Iconic, on a du contenu de ouf qui est sorti, qui va sortir encore. Et n'oublie pas d'aller sur le site Iconic si tu veux du contenu premium. On a du LSD, on a des vidéos conseils, on a des interviews de professionnels. Pour l'instant, on est sur les labels et on va bientôt commencer notre super lancement sur le streetwear. On se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers! Alors, si tu veux voir mon LSD sur Kodak Black où je reviens sur toute son histoire en détail, la vidéo est juste là. Et si tu veux avoir un récapitulatif de l'embrouille entre Lil Durk et NBA Youngboy, c'est ici. On se dit à la semaine prochaine. Cheers!